ce tableau, il a été fait en 95, entre la première et la deuxième année aux Beaux-Arts. En fait, pendant toute la première année, j'ai fait de la vidéo, de la photo, de l'installation, des tas de choses. Et à la fin de l'année, j'ai trouvé aucun médium qui me convenait. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, moi, ça a été la peinture depuis le début, donc ça restera la peinture. Et en fait, j'avais préparé des planches d'aglo comme ça pour peindre. J'avais des vieux tubes de gouache, donc je me suis lancé là-dedans pendant l'été en Corrèze. J'avais planté un chevalet dans un pré, je peignais les vaches, je peignais le ciel. Ça a été une série très rigolote à faire, vraiment l'image d'Épinal du peintre. Et parmi les 5-6 tableaux que j'ai faits, il y a eu celui-là. Et celui-là, quand je l'ai fait, j'ai eu la sensation qu'il y avait une aventure qui commençait. Réellement, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et quand j'ai peint ce paysage, je me suis aperçu que ce n'était pas moi qui étais responsable de l'organisation de la surface du tableau, mais c'était le paysage que j'avais en face de moi. Et donc, ça a été, je pense, ça en premier lieu qui a joué avec ce petit tableau, c'est de m'apercevoir que le monde extérieur, le monde visible, me proposait une composition à chaque fois nouvelle, à chaque fois originale. Et moi, j'en disposais pour faire un tableau. Petit à petit, mon travail a évolué et le paysage est devenu réellement l'outil de travail. Il est devenu l'outil jusqu'à une série sur laquelle je travaillais sur des lignes d'horizon, où là je rejoignais un peu la peinture abstraite de mes débuts, c'est-à-dire que en jouant sur l'horizon, l'avant-plan du tableau devenait un tableau complètement abstrait, une sorte de Barnett Newman. Et là, j'ai eu la sensation d'être dans une impasse. Je voyais très bien jusqu'où cette démarche-là pouvait me conduire, et puis finalement, je n'avais pas tellement envie d'aller dans ce sens-là. Et c'est à ce moment-là que... Alors là, c'était il y a 4 ans, et je me suis rappelé de ce petit tableau, en fait... Et je me suis dit, ce qui s'est passé le jour où j'ai peint ce petit tableau, c'était assez intéressant. Donc je vais recommencer à faire un petit tableau de chevalet avec un paysage basique en face de moi. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et puis 50. Et puis petit à petit, le projet a pris de l'ampleur et j'en ai fait 1000 en fait. Mais cette série de 1000 vient de l'idée de ce petit tableau, en fait, qui m'a suivi tout au long de ma carrière courte pour l'instant. Donc, plus le temps passe, plus je suis attaché à ce petit tableau qui a marqué, en fait, mon choix du paysage comme sujet. Moi, j'ai un rapport charnel au paysage. Je veux ressentir... La chaleur du lieu, je veux ressentir l'atmosphère, la lumière. Et quand je suis en train de peindre, j'aime bien essayer de retrouver ces sensations qui peuvent être d'herbe, d'écorce d'arbre, d'eau. Voilà, tout ça, c'est quelque chose que j'essaye de retrouver de façon sensible. Petit à petit, je me suis aperçu que je parlais en fait de ma peur de la mort dans le paysage. C'est-à-dire que je captais un moment qui était éphémère, qui était assez beau, que je savais, que le paysage allait rester, alors que moi non. Et en fait, je le vivais comme un drame. Donc, il fallait que j'essaye de cristalliser ça. Alors. Après, est-ce que c'est contemporain ou pas? Moi, je pense que c'est plutôt éternel, en fait, comme question. C'est vrai que
A priori, ma démarche n'est pas extrêmement contemporaine. Par contre, elle s'inscrit plutôt dans le temps. Mon travail aura du sens que quand je l'aurai travaillé pendant 30 ans, en fait. J'ai cette conviction-là. Donc, il faut que je vive très longtemps. Ouais.